Patricia. Bonjour. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme vidéo? On va montrer les choses qu'on a achetées. On va faire la checklist des fournitures scolaires. Oui, et demain on va à l'école. Oui, parce que demain... Tu vas dans l'arc, au CP. Au CP tu vas, parce que demain c'est la rentrée scolaire, hein? Moi je vais dans la première classe. Oui, c'est la classe du CP. Oui. Alors les amis, si vous trouvez la vidéo sympa, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on va commencer maintenant, Alicia. Alors, moi j'ai la liste que ta maîtresse elle a fait. Regardez, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est un joli sac. C'est oui. un sac Elsa. Elsa. Et là je vais mettre la magoule. Là la Elsa et là la Anna. Et là je vais mettre ma magoule. Bon, moi j'ai la liste, Alicia. Oui. Tu sais quelle liste j'ai? Oui. C'est la liste que ta maîtresse elle a fait pour le CP. Avec tous les accessoires et fournitures que tu dois avoir pour ta classe. Oui. Alors moi je vais te donner, je vais te dire qu'est-ce qui a marqué. Oui. Et tu dois, et on va regarder si on a tout, d'accord? Oui. Alors, une trousse. Et dans lequel? Bah je sais pas, pourquoi tu as combien de trousses? Deux. Deux? Bah sans. J'en avais trois, mais un. Il faut une trousse, il faut mettre des choses dedans. Bah sors les deux trousses alors déjà. Alors il faut une trousse, il faut comprenant une gomme. Est-ce que tu as une gomme? Qu'est-ce que c'est une gomme ça? Oui. C'est pas de la colle? Non. C'est du rouge à lèvres? Non. C'est pour mettre sur les lèvres ça? Non, c'est une gomme. Oh, mais ça c'est une super gomme en forme de rouge à lèvres. Elsa. Oui. Super. J'avais même pas vu ça, que tu avais ça. Alors la gomme on la met là à côté pour l'instant, on remettra tout dedans après. Oui. Il faut un taille crayon avec réservoir. Bien. Un taille crayon, mais ça c'est pas un taille crayon Elsa. Hein? Non. Il faut un bâton de colle dans la trousse. C'est beaucoup, c'est 8. Oh là t'as acheté tout le magasin de colle quoi. Tu peux ouvrir? Oui, bah tu ouvres et tu en mets un dans la trousse alors. Et les autres? Les autres, on les laisse de côté pour l'instant. Alors, tu mets un bâton de colle dans la trousse. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une paire de ciseaux à bout rond. Est-ce que tu as une paire de ciseaux? Oui. C'est comme ça. Ah, une paire de ciseaux, ouais, mais ça c'est pas des bourrons, hein. Je sais pas si la maîtresse va être d'accord, on va voir, hein. C'est des bouts demi-ronds, ça. Un feutre Velda à pointe bleue et moyenne. Tu sais ce que c'est? Non, ça c'est les feutres normales. C'est les autres feutres qui sont dans le sac. C'est les feutres pour écrire sur l'ardoise blanche. Ils sont là-dedans. Mais il y a encore des feutres normalement de là, normalement. Oui. Alors il faut que tu sortes un bleu. Un bleu ou un noir comme tu là, veux. Là, un bleu. Ouais, mais sinon on les laisse. Il faut mettre de la trousse, la maîtresse elle a dit. Le bleu, j'ai deux bleus. Bah tu mets un bleu ou un noir, comme tu veux, tu mets dedans. Après je donne à Julien parce qu'il a besoin aussi ça. Des couleurs. Un feutre bleu dans la trousse. Là on met dans. Et voilà, la trousse elle est complète, on peut la fermer. Il faut remettre tout dedans, la gomme et le ciseau, la colle tu as mis dedans aussi. Oui. Alors tu peux fermer, ça c'est bon, c'est réglé, c'est prêt pour demain. Maintenant il faut une autre trousse. Tu as encore une autre trousse. Et dans la trousse là il faut des feutres. Et là des feutres. Là. Et des crayons de couleur. Là. Alors, des feutres et des crayons de couleur. Il y a même une gomme et un taille crayon. Mais ça, c'est un taille crayon sans réservoir. Hein. Ouais. Et une trousse avec, de nouveau, notre chère amie. Elsa. Ah, elle est bonne. Tu peux la fermer, c'est prêt. Et on a encore acheté des autres feutres, je crois. Hein, des autres crayons. Regarde voir dans le sac, qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Ouais, ça, c'est des gros feutres. Ah, ça c'est une jolie règle.
Tu veux ouvrir ta ardoise. Ah oui, bon, il faut attendre. Alors, il faut encore une ardoise. Une ardoise blanche, Velda avec un chiffon. Ça, c'est ça, là, c'est ton ardoise. Tu peux l'ouvrir. C'est une rose. Alors, t'as réussi à l'ouvrir, ce sachet? Oui, c'est... un rose. Il avait même ça dedans. C'était avec ça? Oui. Ah, bah, on n'avait pas besoin de l'acheter. Alors, qu'est-ce que tu m'as ramené, là? Ça, c'est quoi? Ça, c'est des mouchoirs? Oui. Elsa. Oh, une jolie boîte de mouchoirs, Elsa. Mais où est-ce que tu trouves toutes ces choses, Elsa, Alicia? Alicia, dès qu'elle va dans un magasin, elle a un radar pour trouver tout ce qui est Elsa. C'est vrai, c'est pas vrai? Oui. D'accord. Maintenant, il faut tout ranger dans le sac. Alors, comment on va ranger ça? Tu sais comment faire? Oui. Allez, je te laisse faire, alors. L'ardoise. L'ardoise. Tu sais où on la met, l'ardoise, toujours? Là. Ça, là, on met aussi les livres. Oui. Oui, les livres. La règle, on va la mettre là, la règle, aussi? Non. Où tu veux la mettre? Là. Là. Oh, la trousse, elle est pas fermée. Ah, bah, il faut la fermer, la trousse. Montre-moi la trousse. Ça, c'est la trousse avec tous les crayons couleur et feutre. Ok. Et ça, avec les feutres. Ouais. Tac. Tac. Les feutres, on va les mettre aussi. Les feutres, on les met derrière aussi, comme ça. Derrière l'ardoise. Oui. Là, ici. Ça, on va pas le ranger dans le sac. Non, il faut. Ça, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Ah, ça, c'est le petit. Ça, c'est le petit plastique pour le reste de l'année. La maîtresse, elle te le prendra demain. Et ça, c'est les mouchoirs Ariel. Non, Elsa. Oui, je sais. Voilà. Il ne rentre pas là-dedans. Si, ça va. Tu peux fermer maintenant ton sac. Ça, je mets où après? Tu prends dans la main. Non, il faut pas. C'est tout le monde qui prend la main. T'as réussi à le fermer? Y'a plus de place dans le sac, il se ferme plus. Oh, attends. Ah, quand tu montes sur la table, t'arrives mieux? Ça marche mieux. Voilà, j'ai entendu le clic. C'est fermé. Et ben voilà. Femme prête pour l'école demain matin. Il reste plus qu'à se lever demain matin à 6h30. Ça va être dur, hein. Bon ben les amis, cette vidéo elle est finie. On vous remercie d'avoir regardé. Passez tous une bonne nuit pour demain. Bon, quand vous verrez cette vidéo. Bonne nuit. Quand vous verrez cette vidéo, la rentrée sera déjà finie. Nous, on fait cette vidéo aujourd'hui, on est mercredi. Et demain, c'est jeudi, c'est la rentrée. Ciao tout le monde. Ciao.